Vous blesse même, je suis votre hôte. Bonjour, salut, comment vas-tu? Laisse-moi te raconter. Moi, j'ai une de mes cousines, faut que je vous conte ça. Elle fait à peu près le plus vieux métier du monde, la prostitution. Là, elle était bien malade ces derniers temps, elle est allée voir le médecin. Là, le docteur lui a donné des pilules. Il dit, vous n'en prendrez une à chaque fois que vous embarquez dans le lit. Elle dit, pas 30 par jour, docteur. Oh, 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 Claude, regarde qui se t'amène. Le montre-feu, monsieur. Je m'en passe d'avoir la tête comme une vadrouille, je suis en entrée avec un balai. Comment ça va, mon cher Méo? Quand ils ont dit, tu vas au bar en direct, ça balait la peine. Ça balait la peine. Ça marche. Ça balait l'enfant, mon cher Méo. Oui, monsieur. As-tu vu dans le journal le matin? Non. Une nouvelle peinture sur le marché. Non. La peinture Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve. T'as plus besoin de l'étendre. Tu n'achètes un galon, tu mets en tête, la peinture se garoche toute seule dans le mur. Comment ça va? Ça va bien, t'as vu ça dans le journal le matin aussi, là, pour le RCM, là? Qu'est-ce que c'est? Tu sais que ça veut dire, ça? Non. Ralliement des Cagoules de Montréal. Oh! Tiens. Garde ça. Ah, j'en ai une, OK? Garde ça. Page 72, où est-ce qu'elle est? Page 72. Deux amis qui se rencontrent. Deux amis. L'un a dit à l'autre, comment va ton mari? L'autre a dit, il est merveilleux. J'ai un mari extraordinaire. Il fait tout dans la maison. Ouais. J'ai un mari en or. L'autre a dit, t'es chanceux, le mien est en tôle. Ouais. Venez des plates. Aujourd'hui, lundi, je pense que c'est un coup. Prends-tu quelque chose, Méo? Oui. Très, très bon pour l'exterminer, bébé. À l'automne, on joue plus au golf. Vous savez que Claude est un très bon joueur de golf. Oui, j'ai été un bon joueur de golf. Oui, très, très. Je ne voyais pas mes balles. Très, très bon. Très bon joueur de golf. Puis en mettant 4-5, puis il frappait à peu près dans le trou. Oui. Une fois, il y a un gars qui m'a dit, continue avec ton tee, il est plus loin que ta balle. Alors, il est arrivé quelque chose l'automne dernier. Oui. Ça me fait justement penser. Les joueurs de golf, ça pourrait s'organiser dans les dernières... Les derniers foursomes de l'année, Il était prêt à s'organiser. Il y a trois gars qui étaient prêts à s'organiser une petite partie de golf dans un club de golf. Oui. Puis il y en a un. C'est normal, ils font pas ça des tennis. Il y en a un qui est au bar et écoutait ça. Vous partez demain matin, ça vous tente-tu d'avoir un autre joueur de golf avec vous autres? Les gars, c'est correct. Et j'ai écouté, moi, vous dire quelque chose. Moi, je gâche pas avec personne. Moi, je suis un très bon joueur de golf. Mais je ne gâche pas avec personne. Un petit collègue dit, à quelle heure partez demain matin, les gars, du vers 9h? Mais je vais être là à 9h. Peut-être 9h15, mais pas plus tard que 9h15. Je vais être là à 9h, mais pas plus tard que 9h15. Le lendemain matin, mon type, les trois gars sont là, ça va prendre des soins de pratique. Mon gars arrive à 9h. Parfait. Il part. Il finit la journée, il a joué 60 et 18. Ça, c'est du golf. Ça, c'est du golf. Les gars, ils ont dit, c'est vrai, monsieur, vous êtes un bon joueur de golf. Ils ont pris une petite bière. Comment une fois j'ai joué, j'avais ça 78, mon cinquième trou. Ouais. Ça va pas compter tes balles dans le champ. Fait que là, ils ont dit, les gars s'organisent encore pour jouer le lendemain matin. Oui. Il a dit... Monsieur, voulez-vous jouer avec les autres? On joue encore demain matin. Vous jouez bien, ça nous fait plaisir de jouer bien. Et certainement. Il dit, à quelle heure vous partez? Ils ont dit, on part vers 9h. Et je vais être là vers 9h.
Pas plus tard que 9h15, mais à 9h, vois ça. À 9h, vois ça. À 9h, vois ça. Fait que comme arrive mes trois titres, ça prend prendre des soins de pratique. À 9h, mon gars arrive. Là, ce matin-là, il jouait gaucher. Hein? Non! Gaucher, Pierre. Pas gauche. Non! Pif! Hey, il a fini sa journée, il est rentré avec 72. Gaucher! Hein? Les gars, ils ont dit ça se fait pas. Hey! Qu'est-ce que c'est ton trick, toi? Veux-tu rire de nous autres? C'est que c'est ton affaire. Hey, une journée, tu sens les 18 droitiers, le lendemain, tu joues gaucher, 72. Ouais, ouais. Il dit, je vous l'ai dit, je suis un très bon golfeur, je suis ambidextre. Moi, je joue des deux mains, droitier, gaucher. Ouais, 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 donc, c'est bon, mais qu'est-ce que tu peux choisir le matin, quand tu pars au courant, qu'est-ce que tu peux choisir, quel mec tu vas prendre pour jouer cette journée-là? Hein? Bien, ça dépend de la manière que je me réveille. Ah, bon, bon, bon. Et quand je me réveille, je regarde ma femme. Oui. Ouais. C'est couché du côté gauche. Oui. Ouais. Je joue à gauche. C'est ça. C'est couché du côté droit. Et tu joues à droite. Je joue à droite. Les gars disent, oui, mais c'est couché sur le dos. Ah. Et c'est là qu'arrive à 9h15. Oh. Ah! Il y a deux gays qui se font écraser par un gros camion. Pas des affaires. Hein? Deux gays. Oui. Qui se sont fait écraser par un gros camion citerne. Ils sont morts? Non, ils sont pas morts. Ils mettent deux homos plates. Hey, tu sais que c'est le temps de chasse, hein? À part ça, ben ouais. Il y a un beau qui arrive à la pharmacie un matin. Il dit, est-ce que je pourrais avoir du aftershave? Oh, dis, le gars va avoir son petit chiot. Oui. Si, il était pas... pas fou de mettre le feu, pas assez fin pour l'éteindre. Oh, tu vas le présenter, là? Ouais. Parce que, va voir, ce psychiatre, ça faisait 7-8 visites intensives. Le psychiatre, il dit, avant de partir, tu parleras à ma secrétaire, tu me dois de l'argent. Fait que la secrétaire, elle dit, vous nous devez plusieurs visites. Avec aujourd'hui, vous nous devez 80$. Le gars, je vais vous faire un chèque. Je sors mon carnet de chèque, comprends-tu? Et qui ça, elle dit, il demande quand est-ce ma prochaine visite? La semaine prochaine, parfait, j'y serai. Uh-huh. Fait que ça va. La semaine suivante, mon type revient. Le docteur dit, hey, ton chèque était pas bon, ton chèque est revenu. Qu'est-ce qui arrive? Ben oui, t'avais pas bonne signature. T'as signé Napoléon. Il dit, oui, j'ai signé toujours Napoléon. Uh-huh. Mais pourquoi t'as pas signé ton vrai nom? Ben, t'es un psychiatre, t'as signé mon vrai nom, j'aurais pas besoin de toi. Je te pose une question. Ouais. As-tu vu quelqu'un poser une réponse? Si tu fais, là, c'est la différence entre Pierre Marcotte, là. Parlons sexuellement. Ah! Ah! Parlez pas à moi, parlons sexuellement. Sexuellement, parlons. Alors, ce qui est rendu là, là. Ouais. C'est la différence entre lui et un Concorde. Un Concorde, l'avion? Ouais. Donne ma langue au corps. Mais moi, c'est Shirley qui me l'a dit. Un Concorde, ça monte plus vite. Hop! Il faut un Concorde!